Bonjour, bienvenue dans cette présentation très courte de la nouvelle solution de reporting en self-service de Qlik sur le cloud. Donc, c'est une solution qui va vous permettre de vous abonner à des objets à l'intérieur d'une application ou à des feuilles entières pour les recevoir sous forme d'email qui vont donc être poussées en fonction d'un cadencement que vous allez donner. Si vous vous abonnez à une feuille, vous allez utiliser simplement le lien s'abonner à la feuille qui est ici. Si vous voulez utiliser un objet directement ici, pardon, vous allez simplement faire un clic droit ici et s'abonner. Et ensuite, donc on va le faire pour cet objet ici, vous allez pouvoir choisir un nom pour repérer évidemment votre abonnement, le cadencement auquel vous voulez le recevoir, et quel jour, pour ce cas ici, et même l'horaire par rapport à ça. Voilà. Vous allez donner ce type d'information et vous abonner ici. Si vous le désirez le faire au niveau de la page, vous allez faire la même chose et garder également les mêmes possibilités en prenant plusieurs jours, par exemple, ou tous les jours, ou faire ça par mois si vous désirez ici avoir un cadencement différent. On va s'abonner également à cet objet. Ensuite, si vous allez ici, pour votre profil, pour gérer vos abonnements, vous allez retrouver la liste des abonnements que vous avez déjà créés. Et on voit les deux abonnements que nous avons ici. Et dans ces abonnements, vous allez pouvoir les envoyer maintenant ou les désactiver, voire les supprimer. Donc dans le cas qui nous intéresse ici, on va l'envoyer et celui-ci, on va l'envoyer également. Donc on va simplement générer des mails avec une information poussée ici de manière manuelle pour pouvoir continuer notre analyse. Donc le premier objet que nous avons reçu, c'est celui-ci. Donc on reçoit un email avec l'objet qui est à l'intérieur, donc qui est dans le contenu du email et qui est également attaché en page 1 dans PDF. Pour la partie abonnement à la page, on ne reçoit pas encore de mail la page, mais on la reçoit exclusivement en PDF joint, comme c'est le cas ici. Vous pouvez voir directement ici. Voilà, très bien. Ensuite, comme vous l'avez vu, vous pouvez revenir à votre application ici pour continuer votre analyse ou vérifier des sélections que vous avez pu faire au moment de la création de votre objet, puisque les sélections qui sont actives au moment de l'abonnement vont rester actives pour l'ensemble du mode push. Si vous êtes tenant admin de votre solution SaaS, vous allez également pouvoir gérer les abonnements ici en allant sur les abonnements et pouvoir gérer ici les activer ou les désactiver. Et vous pouvez dans les paramètres, directement dans le paramètre abonnement qui est ici, activer ou désactiver la totalité de la solution d'abonnement individuel. Voilà, donc l'idée de cette nouvelle offre, nouvelle, pardon, ces nouvelles possibilités de ce service, c'est véritablement orienté utilisateur pour qu'il puisse recevoir une information d'une manière poussée. Voilà, j'espère que cette nouvelle fonctionnalité vous plaira. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.